Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On commence avec la disparition à 82 ans du journaliste et animateur Philippe Gildas, présentateur historique de Nulle part ailleurs sur Canal+. Bonjour, c'est François Bégaud. Ben, qu'est-ce que vous faites là, laissez-moi parler. Ben, il est parti, donc, mon frère d'oreille. Oui, beaucoup de points communs avec Philippe Gildas, même que Emmanuel Macron m'a dit « t'es nul par ailleurs ». Par contre, sachez que jamais on ne m'a vu avec de conne. Je ne laisserai personne insulter mes collaboratrices. Eh bien oui, évidemment, notre spécialiste People, Nikos, bonjour. Oui, les loups, plus que jamais, Philippe est parti nulle part ailleurs. Philippe Gildas, de son vrai nom, Philippe le prêtre. Avec un nom pareil, il aurait pu présenter l'école des fans. Il a choisi le bon moment pour partir, l'automne c'est tellement triste, le changement d'heure c'est relou, du coup il aura pas à se taper la Toussaint, tout ça. Et puis bon, si les enfants viennent taper à sa porte à Halloween, il risque vraiment d'avoir peur. Bonjour, c'est Johnny. Johnny. On t'attendait pas, Philou, tu fais chier. Moi, j'aimais beaucoup regarder Nulle part ailleurs, ça passait à peu près à l'heure à laquelle je me levais. C'est vrai que là-haut, il y a du monde. Il y a aussi les guignols qui ont mouru aussi, ils sont là. Il y a l'Esprit Canal qui a mouru aussi, qui est avec nous, Coluche, le top 50. Par contre, Philou, est-ce que t'as pensé à me ramener mon album posthume pour que je l'écoute? On va passer au football avec hier soir le premier classico de la saison au OM-PSG. Nouvelle victoire 2-0 pour le club de la capitale grâce une fois de plus à Kylian Mbappé. Oui, Madame Le Pen, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas étonnant que le PSG ne soit senti à l'aise au Vélodrome. Hein. Ouais, pourquoi? Hein, ben, un club tenu par des Arabes qui jouent à Marseille. Allez, voilà. Là, ils étaient vraiment chez eux, hein, voilà. Vous savez, par rapport à la population, tout ça. Oui, bien sûr, on a bien compris. C'est Jean-Pierre Bacri là. Je m'y connais pas beaucoup en football, mais je suis pas très étonné du résultat. À Marseille, il y a souvent des gens qui ne savent pas jouer. Hey, t'allumes François, tu vois tout de suite qu'à Marseille, le jeu, c'est pas leur truc. Merci Jean-Pierre. Bonjour Denis Brognard. Bonjour à tous. Et bienvenue à ce nouveau jeu d'aventure. La règle est simple, se rendre dans le match PSG-OM, grimé en supporter de l'équipe visiteur, dimanche soir par exemple, habillé aux couleurs du PSG, essayez de vous rendre au Vélodrome à pied depuis le centre-ville, chantez votre amour du club de la capitale à l'entrée du stade, et si vous êtes toujours en vie, regardez l'intégralité du match dans le virage des Marseillais en applaudissant les actions parisiennes. Qui sera l'ultime survivant? Bienvenue à Classico Lanta. Monsieur Mélenchon, vous étiez évidemment derrière l'OM, hein, même si vous n'êtes que tout jeune Marseillais d'adoption. Vous, là, le petit journaliste, petit journaleux, là, vous êtes en train de supputer que je connais mal l'Olympique de Marseille, hein, que je soutiens l'équipe uniquement pour me faire apprécier, mais c'est faux. C'est l'équipe que je suppute toujours l'OM, je connais parfaitement. Hein, les joueurs qu'on fait l'OM, Vermine. Je connais Basile Poli, je connais Manu Payet, Yann Barthez, Samir Nasseri, Eric Antoné. Et même son entraîneur, Sergio Garcia, alors Vermine. Oui. Je ne connais pas le foot là pour le coup, je sais que vous êtes à côté. Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour monsieur R. Oui. Moi évidemment j'étais derrière Marseille. Pour une raison évidente. Je n'avais pas vous savez bien, je ne suis jamais à côté. Pardon? Je ne suis jamais à côté, vous. Vous êtes jamais à côté, vous. À côté de toi. Non, parce que j'ai dit que les joueurs c'était des noms qui étaient à côté, mais vous n'êtes jamais à côté. Je n'ai pas tout compris. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Enchaînez. J'avais la tête ailleurs. C'est ça, moi aussi. Tente ailleurs. Allez-y. Laissez-moi faire ma vanne. Je vous en prie, allez-y. Toujours d'une finesse exemplaire. Pour terminer cette chronique, avec ce petit moment de poésie. Oui, c'est ça. Qu'apprécient vos auditeurs. Ouais. C'est ça la crainte. J'étais donc à côté. Oui, c'est ça, vous étiez. C'est vrai que je me sens à côté. Je viens de la comprendre. Voilà, merci. Merci. Ça va être longue cette chronique, je le sais. Ça va être très longue. Oh la fin, heureusement qu'il y a la musique derrière. Vous en avez beaucoup de musique derrière comme ça? Oh oui, c'est Dorian, il y en a pour combien? Au moins une minute encore. Ah bon, allez-y, on a le temps. Une minute, c'est beaucoup trop long pour moi. Je vais faire ma vanne. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Moi, évidemment, j'étais derrière Marseille. Oui. Pour une raison évidente, parce qu'à Marseille, il y a la MILF. La MILF? Alors, c'est la MILF? Oui, à Marseille, il y a la MILF. Oui, la MILF. La bonne mère. Ah, oui. Ouais, dès qu'on parle géographie, on parle du monde. Encore moins même marché que la vanne, vous la mettez à côté. Vous la mettez à côté. Je veux peut-être une survanne pour attendre. Allez-y, au point où on en est, allez-y. Depuis quelques temps, me surnomme Mbappé. Ah bon? Oui, parce que j'ai juste besoin de rentrer quelques minutes pour faire changer le score.
pour ne plus qu'il soit vierge. Oh non. Parfois même un coup franc suffit. Bien. Refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, 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 et vous pouvez même vous abonner ici.